et une note plus basse de 9,25 par la juge belge. Biélorusse maintenant, aux barres asymétriques, toujours Tatiana Yarganova. Elle non plus ne faisait pas partie des sélectionnés au concours général hier. Superbe salto avant Jaeger. Demi-tour pour attraper la barre inférieure, bien un équilibre. Voilà, tour complet. Le Ginger, sans aucune faute des jambes. Grand tour soleil. Voilà, et la même sortie que Christy. Par salto arrière, demi-tour, plus salto avant. Et un petit déséquilibre aussi à la fin. Retour sur les juniors. Dommage. Se présente pour l'Espagne, Dosa 236. Alba, c'est pas mal. Très satisfait de son travail. Le salto avant Jaeger. Là, on voit au ralenti toute l'intensité physique qui est demandée à ces jeunes athlètes. Le passement filet échappé pour reprendre la barre supérieure. Et là, on voit quand même l'entraîneur qui vient en parade. Oui, pour la sécurité de la gymnaste. Et là, il n'y avait vraiment aucun problème. La technique était parfaite. Beaucoup de hauteur pour la sortie. Et malheureusement, petit déséquilibre qui va lui coûter quelques centièmes. Mais enfin, elle passe devant l'Italienne Adriana Crischi. Deuxième place avec 9,55 pour cette jeune Biélorusse.